Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. On va voir ce que nous réserve ce match. Madrid qui vient ici défendre son résultat acquis à domicile lors du match aller et qui est quasiment assuré d'une place en demi-finale, sauf en cas de faux pas aujourd'hui. Il glisse le ballon en profondeur. Ils obtiennent la touche. La longue passe, il peut en profiter. Marcelo qui est récompensé de son pressing. Toni Kroos, il joue en profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Cristiano Ronaldo, il reçoit le ballon. Cristiano Ronaldo, le long centre. Madrid qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. C'est joué long. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Isco. Toni Kroos. Il tente de la jouer dans l'espace. Le gardien loin devant. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Allez, ça peut faire mal. Dans le dos de la défense. C'est écarté. Bien fait. Il accélère et il déborde. Le bon tacle. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il choisit la profondeur. On en restera là pour cette première période. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Il faut rester tranquille. Ce nul leur permet d'entrevoir quand même une très belle qualification. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. J'espère bien que ça ne se terminera pas sur ce score. Ce serait bien triste. Oh, Benzema! Markel Bergara. Zurutuza. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Modric. C'est joué long, attention. S'il le trouve. En retrait pour repartir proprement. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Caceres. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Inigo Martinez. Il y a encore la possibilité d'un changement. Caceres. Inigo Martinez. Il cherche son coéquipier. Voilà un marquage très agressif. Oui, ils font un peu un pressing à la source, histoire d'essayer de provoquer des erreurs. Un ballon intéressant. Sergio Ramos. Oh, il a bien vu son coéquipier. Il glisse le ballon en profondeur. Un long ballon vers l'avant. Qui est le premier sur ce ballon? Il frappe loin devant. Caceres. Peut faire mal s'il est servi. Torrejón. Il tente de la jouer dans l'espace. On le tire. Poteau. Ça manque de précision, dommage. Il joue dans l'espace. Toni Kroos. Ils s'en sortent. Oh, voici Vela. Danilo. Pour trouver la faille dans la défense. Non, ça manque d'application. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais.
décide d'allonger le jeu. Il change complètement de côté. Renversement de jeu de l'autre côté. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Que c'est beau, l'aventure continue pour eux dans ce magnifique parcours. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Quelle différence quand même entre l'aller et le retour? Vous avez une explication? Ce qu'on a vu était très intéressant. Ils ont manifestement tiré des leçons du match aller.